Température de l'air 32 degrés, température de l'eau 24, un cocktail idéal pour profiter de la plage. Certains le complètent avec un peu de lecture. Depuis 3 ans, les bibliothèques d'Annecy sortent de leurs murs à la rencontre des vacanciers. On propose des revues pour les adultes. Si vous avez envie de lecture, de détente, venez à notre stand qui est juste à côté du poste de secours. Faire connaître nos services des médiathèques d'Annecy et puis de donner aux gens le plaisir de lire dans un cadre convivial. Beaucoup de bandes dessinées, que ce soit adultes ou pour les jeunes, des mangas, des albums, des documentaires pour les enfants et aussi pour les adultes, des revues. L'opération « En été, lis ce qu'il te plaît » s'inscrit à l'origine dans l'action du ministère de la Culture, Partir en livre. C'était il y a 3 ans. Depuis, elle a pris de l'ampleur et plusieurs médiathèques s'y sont associées. Les équipes de Bonlieu, Nouvelle et La Prairie se relaient sur la plage. Disons qu'ici, il y a beaucoup de touristes, c'est des gens de passage, donc qui profitent simplement d'un moment de lecture à travers les journaux et les enfants de lecture comme les bandes dessinées, voilà. Ça marche très bien, on n'a que du positif, que des bons retours depuis 3 ans. C'est pour ça qu'on continue et on a pu augmenter notre volume horaire sur les plages. Au départ, on était seulement la matinée, maintenant on est toute la journée. Voilà. Après un mois de juillet à feuilleter sur la plage des Marquisas, les vacanciers pourront s'installer dans cette bibliothèque à ciel ouvert chaque jeudi du mois d'août sur la plage d'Albini.